Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo haul. Ça doit faire 3-4 mois que j'ai pas fait de vidéo haul. Quand je poste des photos sur Insta, le plus souvent, on me demande d'où viennent les vêtements. Donc, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo haul où bah, je montre tout. Tous mes derniers petits achats là, tu connais pour le printemps, l'été, c'est pratique. Et on peut dire que la majorité des achats que j'ai faits viennent de Boo. Je deviens de plus en plus accro à cette marque, c'est à cause de mon grand frère. En fait, il m'en a parlé et j'ai commencé à acheter. Et après, je me suis rendu compte que les produits étaient pas très chers et étaient stylés. Donc je me suis dit pourquoi pas plus quoi. Je sais pas si vous savez mais en ce moment je suis encore dans ma période où je suis à fond sur les ensembles donc j'en veux plein plein plein, j'en achète plein. Bien sûr tous les liens en barre d'infos pour que vous puissiez voir si vous avez envie d'en acheter un. Et petit disclaimer, j'ai fait exprès de porter les ensembles sans paire de sneakers parce qu'en fait j'ai envie de faire un petit truc sur mon Insta, c'est-à-dire que je vais porter les ensembles avec trois paires de chaussures différentes et vous aurez tout simplement à me dire avec quelle paire l'ensemble rend le mieux. Je trouve que ça peut être pas mal. Ce sera sous forme de photos sur mon Insta. Si vous avez envie de participer, n'hésitez pas à aller follow, ça fera plaisir, en plus ça donne la force. On commence avec cet ensemble vert et noir, donc c'est un ensemble. Le haut il est long avec manche longue et le bas c'est un short. C'était une collaboration entre Lil Got It et Boohoo. Il a fait des ensembles magnifiques, j'en ai pris un autre que je vais vous montrer tout à l'heure. Là je trouve que ce vert est ultra propre, ultra puissant genre. À part cet ensemble, je trouvais pas ce genre de vert sur d'autres vêtements en fait. Donc je suis vraiment content d'avoir pu l'acheter. Je trouve que ça rend archi bien et ça se mélange grave bien avec le noir. Le deuxième ensemble, donc c'est aussi la collaboration entre Lil Got It et Boohoo. Donc c'est un ensemble violet pour le coup, short. Ça pour le coup j'ai pris M parce que j'ai pas besoin de prendre plus, c'est déjà oversize le truc. Je trouve la couleur magnifique. C'est vraiment mon kiff en fait pour le printemps et l'été. Mettre des couleurs de ouf comme ça, de toute façon en général je porte des couleurs de ouf. Je suis très content, je trouve que la couleur me va grave bien en plus sans faire le mec. Très confortable, léger, agréable avec des imprimés blancs, franchement je surkiffe, je survalide. Les petits ensembles comme ça avec t-shirt oversize et short, c'est grave mon kiff en ce moment. T'es à l'aise et je trouve ça archi stylé pour les gens qui ont ma morphologie. Après toujours la collab Lil Got It et Boohoo, donc on a un t-shirt noir avec des imprimés un peu vert flashy comme celui-là mais plus fluo. Avec des imprimés blancs aussi, je trouve ça vraiment top. Je trouve que quand tu veux passer un peu inaperçu, tu portes du noir, tu vois. Et là, avec ce petit détail, ça apporte donc le côté un peu... J'ai pas trop envie qu'on me voit, mais le côté un peu flash en même temps. Enfin, c'est assez contradictoire, mais j'aime bien. Avec une petite paire verte, une petite paire blanche, enfin des petits accessoires, c'est carré, carré de ouf. Je vais vous montrer avec quelle paire je porte ça sur Insta, n'hésitez pas à aller checker. Toujours très confortable, très abordable, on valide. Et j'ai pris un ensemble bleu et blanc, un peu tie and dye, qui vient toujours de vous, tu connais. Qui est très léger avec un petit cordon de serrage au niveau de la ceinture. Enfin, tu connais. Enfin, j'avais pas précisé pour les autres ensembles, mais c'est comme ça pour tous. Hein. Ajustable, couleur flash, vraiment top pour le printemps, top pour l'été. J'adore en fait, il y a tellement d'idées d'association avec cet outfit. Il y a trop de possibilités, je surkiffe. Ensuite encore un ensemble, mais cette fois c'est un ensemble long, un ensemble que j'avais acheté il y a pas mal de temps en fait. C'est un ensemble noir avec des écritures, enfin des petits motifs jaunes et blancs, un peu de rouge aussi. Il y a plusieurs possibilités du coup d'associer ce petit ensemble. Je vais vous montrer encore une fois sur Insta comment je porte cet ensemble. N'hésitez pas à aller checker si ça vous intéresse et à voter surtout pour la meilleure façon d'associer cet ensemble. Il est assez lourd, je le porterai pas au printemps, je le porterai plus en automne. Tu vois, quand les températures commencent à baisser, c'est vraiment cool, je trouve. Cet ensemble noir, du coup, comme c'est long, je l'ai pris en L, parce que sinon, au niveau des jambes, c'est beaucoup trop court pour moi, en fait. C'est ça qui est compliqué quand je prends des ensembles longs chez vous. Je suis obligé à chaque fois de prendre du L quand j'achète un ensemble chez vous. Du coup, le haut, il est toujours un peu baillant, tu vois ce que je veux dire. Mais après, sinon, au niveau des jambes, c'est trop court. Mais ça va, franchement, le haut un peu oversize, il n'y a pas de souci. Mais ça s'achète toujours par 7 sur vous, c'est ça un peu le problème. J'ai pris un autre ensemble un peu plus oversize, donc un peu tie and dye, tu vois, bleu, blanc, gris. C'est pas des couleurs que je trouve archi bel ensemble de base, mais là je trouve que ça rend plutôt bien, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et il y a des petites écritures noires, donc il y a plein de possibilités de porter ce petit outfit. Ça par contre il est encore plus lourd que l'ensemble noir que je viens de vous montrer, donc ouais, fin automne limite hiver, tu vois ce que je veux dire. Mais très coloré, tu vois, c'est pratique justement en hiver, le plus souvent tu portes des trucs un peu stern, un peu sobre. Et là je trouve ça approche le petit pet, c'est vraiment pas mal. Je me répète, mais pour être sûr que vous veniez voter, je vais mettre des outfits comme ça sur Insta pour que vous me disiez lequel vous préférez. Mon ensemble préféré de tous les ensembles en fait que j'ai, je pense. De toute façon, vous savez, c'est l'ensemble jaune. Le jaune, en fait, t'as qu'à le voir, mon sourire bête, c'est juste ma couleur préférée, quoi. Je trouve que le jaune, c'est une couleur qui est faite pour moi. Je pense qu'il y a personne qui la porte mieux que moi. Hein. Faut reconnaître qu'un truc te va bien, il faut le dire. Non, vraiment, j'adore comment ça rend sur moi en fait. Le seul souci, c'est que je m'attendais pas à ce que le bas soit aussi skinny. Je m'attendais à un truc un peu plus confortable. Donc, le bas à ce niveau-là, c'est pas ultra confortable. Je suis un peu déçu pour ça. Maintenant, bon, y a pas, c'est pas impossible de le porter. Moi, j'arrive à le porter comme il faut. Je pense, j'espère. Enfin, vous me direz. Et la couleur est surtout juste magnifique, quoi. Enfin, c'est ma couleur. C'est juste ma couleur. Et le dernier ensemble de cette vidéo haul, c'est un petit ensemble short que j'ai acheté sur Colorful Standard. C'est une marque que j'ai découverte. Je crois que c'était sur Insta. De toute façon, je découvre que les Mac sur Insta, tu connais. Marc, j'ai dit Mac, oui. Oui, c'est une couleur audacieuse, j'en suis conscient. Et j'adore les couleurs, hein, tu connais. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est de la qualité, sauf que les ensembles sont ultra chers, je trouve. Eux, pour le coup, il y a moyen de déparier. Donc, tu peux acheter le t-shirt ou le short séparément. Moi, j'ai acheté les deux pour faire le match, tu vois. Mais l'ensemble te revient archi cher. Après, ça m'a l'air d'être de la qualité. Bon, heureusement, j'ai envie de te dire, sinon je me serais grave fait couiller. Je suis plutôt content de comment ça rend. C'est bien taille.
Ouais, bien taillé. Enfin, c'est taillé comme normalement, quoi, en fait. Il n'y a rien d'exceptionnel dans la coupe des vêtements. Non, franchement, il n'y a pas d'effort de ouf, on va pas se mytho. Mais je suis content de l'avoir acheté quand même. Voilà, les gens, donc cette vidéo haul est terminée. N'hésitez pas à me dire quel est l'ensemble que vous avez préféré. Et surtout, 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 je l'ai dit toute la vidéo, mais j'insiste, venez me rejoindre sur Insta pour voter. Ça m'intéresse vraiment de savoir vos avis, en fait. Je vous attends sur Insta pour qu'on voit tout ça. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et à partager la vidéo si elle vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Tchuss!